Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur mon balcon potager. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo de suivi des semis que j'ai réalisés jusqu'à maintenant. Certains devront être rempotés à l'intérieur puisque dehors il fait froid. Et c'est parti donc pour le suivi des semis. Les premiers semis que j'avais réalisés, c'était donc ces piments d'Espelette, donc qui ont été semés le 30 janvier. Alors, les piments et les poivrons, ce sont toujours les semis qu'on commence le plus tôt, parce qu'habituellement, c'est assez long à venir. Et puis, en fait, cette année, ça s'est plutôt bien passé. Donc, en particulier celui-ci, enfin, moi, je le trouve assez magnifique. Il grandit vraiment très bien. Alors, pour le moment, il est dans un godet de 9 cm, ce qui a l'air de lui convenir. Donc, je me posais la question du repiquage. Mais bon, puisqu'il n'a pas l'air de se sentir à l'étroit, pour l'instant, ça ne sert à rien que je l'embête plus que ça. Donc celui-ci, je vais le laisser tranquillement dans son godet. Et là, en fait, il y en a eu deux qui sont sortis dans ce godet-ci, dont un qui était franchement mal formé, qui n'arrive pas à se développer. Alors, j'ai essayé de lui laisser sa chance quand même. Mais bon, je pense que de façon définitive, il ne donnera rien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais l'enlever. L'autre sera aussi, du coup, tout seul dans son godet et il n'a pas besoin d'être piqué non plus. Donc on va juste... Alors j'aime pas trop faire ça, mais bon. Celui-ci, de façon évidente. Voilà, il était resté coincé dans sa graine et puis il n'a jamais réussi à récupérer. J'ai même l'impression qu'il a deux têtes. Enfin, c'est bizarre. Il part dans deux côtés différents. Bon, bref. Donc, allez hop, je l'enlève. Et donc, comme ça, ces deux piments-là vont pouvoir rester dans leur godet d'origine. Et je verrai après si j'ai besoin de faire un repiquage intermédiaire avant la plantation définitive ou pas. Mais pour le moment, c'est pas la peine. Ensuite, il y a donc ces pieds de poivron qui ont été semés 15 jours plus tard, donc je pense aux alentours de la mi-février, quelque chose comme ça, qui se développent bien aussi. Alors par contre, ils sont dans des godets un petit peu plus petits, et celui-ci, ben, ils sont deux, mais deux tout à fait normaux. Donc ceux-là, pour le coup, on va les repiquer dans des godets un petit peu plus grands, parce que là, je pense qu'en termes de croissance, ils vont avoir du mal. Celui-ci, pour le moment, comme il est tout seul, je pense que je vais le laisser encore un petit peu. Je vais voir comment ça évolue par rapport aux deux autres. C'est-à-dire à partir du moment où les deux autres seront dans des grands godets individuels, si je vois qu'effectivement il y a une grande différence de croissance, ben, je repiquerai aussi celui-là. Et si ce n'est pas le cas, maintenant, il restera comme ça encore un petit peu. Donc là, on va juste séparer les deux qui sont ici. Alors, on va commencer donc par les séparer. La motte est bien humide puisque tout à l'heure j'avais humidifié un petit peu en prévision. Alors, dans les godets, là j'ai mis le fond en terreau universel et je vais compléter avec du terreau semis et repiquage. En essayant de ne pas abîmer les racines. Et pour le deuxième, je vais essayer de récupérer toute cette terre quand même. Alors ensuite, niveau tomates, donc j'ai des Golden Jubilées qu'on avait semées ensemble à la mi-mars. Donc ils ont 2 semaines,
Les Golden Jubilées, ce sont des tomates qui sont des tomates de calibre moyen avec un port indéterminé, c'est-à-dire que ce sont des tomates qui vont grandir pendant toute la saison. Et donc là, je vais la séparer, je vais les séparer. Donc je vais utiliser que les deux grands. Là, j'en ai un petit, je pense que je ne vais pas en faire grand-chose. De toute façon, moi, sur les Golden Jubilées, j'en ai besoin essentiellement de deux pieds, puisqu'après, ce sera des tomates cerises. Donc, je vais récupérer ces deux scies et je vais effectivement les mettre dans des pots plus grands, parce que comme ce sont des tomates à port indéterminé, je pense qu'elles vont avoir besoin de place pour se développer avant d'être mises dans les bacs de façon définitive. Donc, celles-là, je vais les mettre dans des gros pots, en sachant que je vais les enfoncer un petit peu. Elles ont quand même, alors elles n'ont pas filé, mais elles ont quand même des tiges qui sont très grandes. Et comme vous le savez probablement, tous les petits poils là qu'on voit sur les tiges, si on les met en terre, ça va donner des racines, ce qui aidera plus tard à la fructification, puisque ça veut dire que plus elles ont de racines et plus elles pourront aller chercher de l'eau, surtout dans mes bacs. Donc je vais les rempoter en les enfonçant bien, pour qu'elles puissent bien développer leurs racines. Donc j'ai pas mis beaucoup de terreau dans les pots et je vais compléter donc avec ce que j'ai en semis de repiquage, enfin en terreau de semis et repiquage. Voilà, donc là c'est... Ah oui. Donc là effectivement les racines, alors bizarrement, hein, parce qu'elles ont quand même que 2 semaines, je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais bon elles n'ont pas encore fait de chignon, mais... Il y a déjà quand même de belles racines un peu partout. Donc je pense que très rapidement, elles auraient été à l'étroit. Donc on va essayer de les séparer. Ah ben, je sépare bien. Hop. Donc dans le pot et donc le plus profondément possible. Ah, j'ai mis trop de terre. Le plus profondément possible, donc pour qu'elles développent bien leurs racines à partir des petits poils. J'en enlève, j'en ai mis trop. Voilà. Hop. Donc le pot là, il n'est pas forcément très profond, mais il est assez, il a un diamètre assez important. Et donc normalement, ça devrait lui permettre de patienter jusqu'à la plantation définitive. Comme tout à l'heure, je tasse pas trop pour pas abîmer les racines et de toute façon, la terre sera tassée avec l'eau. Donc là, effectivement, au rempotage, j'ai laissé une partie importante de la tige sous terre. Et on va faire pareil donc avec le deuxième. Et voilà pour la deuxième. Ensuite, j'ai donc des tomates Bloody Butcher. Donc ça, ce sont des tomates que je vais planter sur le balcon nord. Donc comme je vous l'avais déjà expliqué, j'ai fait plusieurs fois, enfin plusieurs années ces tentatives-là. Ça marche plutôt bien. Alors comme je le disais, sur mon balcon nord, j'ai au moins 5 heures de soleil par jour. Donc le matin jusqu'à à peu près 11h midi, ça dépend des endroits du balcon, et puis ça revient un petit peu le soir. Et donc avec le soleil qu'il y a, j'arrive quand même à faire pousser quelques tomates. Alors, je dis pas que j'en fais des tonnes, mais ça fonctionne quand même. Et donc toujours, je mets toujours la même variété, puisque c'est une variété qui a l'air de marcher dans ces conditions-là. Donc là, c'est pareil. Alors, il y en a une qui est très mal formée, hein. Elle a qu'un cotylédon. Et puis de l'autre côté, il ne se passe pas grand-chose. Donc celle-là, je vais la sacrifier aussi. Et donc je vais garder les deux plants là qui sont beaux.
Ça a poussé relativement vite. Il faut dire que il a fait particulièrement bon. C'est vrai qu'en fonction des années, on a plus ou moins de chance. Dès qu'elles ont germé, en fait, il a fait soleil tout le temps. Donc cette année, j'ai vraiment pas eu de problème de semis qui filent. Les pieds sont relativement trapus. Et l'autre, je vais la mettre dans le pot d'origine. Les racines sont quand même pas mal. Et voilà. Je continue le rempotage des tomates. Donc avec cette variété qui sont donc des Gardener's Delight, ce sont des tomates cerises précoces et très productives. Donc pour une plantation sur un balcon, mais c'est parfait. Donc là, elles sont quasiment toutes sorties aussi. Donc je vais toutes les garder et on va les rempoter. Alors, je ne les ai pas encore étiquetées, mais pour le moment, je fais bien la différence entre les différentes variétés, puisque en fait, celles-ci, donc les Bloody Butcher, celles que je vais planter sur le balcon nord, sont ce qu'on appelle des tomates avec des feuilles de pommes de terre, c'est-à-dire que, alors, on ne parle pas du cotylédon, hein, mais bien des feuilles. Donc, les feuilles qui se trouvent ici. Vous voyez, elles ne sont pas du tout dentelées, contrairement à ce qu'on peut avoir là sur les Gardener's Delight. Donc pour le moment, je sais que je ne risque pas de me tromper. Je vais vous mettre. Si je prends une autre, l'autre Bloody Butcher aussi, vous voyez, c'est pareil. Ce sont des feuilles qu'on reconnaît bien, qui ressemblent plus à des feuilles de pommes de terre qu'à des feuilles de tomates. Donc là, on ne risque pas de se tromper de variété. Et de toute façon, les autres, l'autre variété que j'avais, les Golden Jubilee, je les ai mises dans des gros pots ronds. Donc, pas de risque de confondre les différentes variétés. Ça, c'est l'avantage quand on a un balcon, peu de variétés et peu de pieds. On peut apprendre à les reconnaître sans être obligé de les étiqueter. Dernière variété de tomates que j'avais semées, donc ce sont des tomates Mascotka. Donc ça, ce sont des tomates que je vais planter sur des balconnières que je vais mettre sur la rambarde du balcon, donc, et que je vais laisser tomber en cascade. Donc ce sont des tomates qui sont prévues pour être cultivées comme ça apparemment. Par contre, toutes les graines que j'ai semées sont mal formées. Donc j'avais commencé par ce godet-là. Elles avaient tout un problème, c'est-à-dire qu'elles sont toutes restées coincées dans la graine quand elles ont germé. Et donc, c'est pas terrible. Alors, celle-ci est pas trop mal finalement. Je l'avais aidée à sortir de la graine en coupant les cotylédons. Je pensais que ça n'allait pas donner grand-chose. Bon, c'est celle qui s'en sort le mieux. Les autres, c'est pas terrible. Donc, j'en avais ressemé. Et sur celle que j'ai ressemée, c'est pas terrible non plus. Donc celle-ci, elle a carrément même trois cotylédons. Donc au début, je pensais que c'en était un qui était coupé en deux, mais non, c'est vraiment trois cotylédons parce qu'on voit les nervures centrales.
Bon, pour l'instant, c'est manifestement la championne des tomates mal formées. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire là pour le moment. Je ne vais pas les repiquer. Je vais peut-être essayer de semer une troisième fois, voir un peu ce qui se passe. Mais c'est dommage parce que j'attendais vraiment beaucoup de cette variété. Le fait de pouvoir les planter sur les balconnières et les laisser cascader, ça me faisait effectivement gagner de la place dans mes gros bacs. Donc, je trouvais ça intéressant comme expérience. Bon, pour l'instant, l'expérience, elle commence pas forcément bien. Et puis, j'avais fait une tentative de noir de Crimée, donc avec des graines qui étaient un petit peu anciennes. Donc, j'étais pas sûre que ça allait donner quelque chose. Effectivement, ça ne donne rien. Donc, j'ai eu aucune levée. Enfin, si, enfin, j'ai eu une levée. Ah, mais elle a l'air vivante. Mais j'avais ressemé. Donc, comme rien n'était sorti, j'avais ressemé. Et sur ce que j'ai ressemé, ben, ça sort toujours pas. Donc là, je pense que décidément, j'aurai pas de noir de crémé cette année. Bon, de toute façon, c'était pas grave. C'était, comme je dis, un sachet ancien. J'ai essayé de voir si je pouvais sauver quelques graines. C'est pas très grave. Et enfin, côté semis, cette année, j'ai décidé de tenter les melons. Donc là, ce sont des melons charentais simples, j'allais dire. Ils sont sortis il n'y a pas très longtemps. Donc, je n'ai pas encore de vraies feuilles. Je vais attendre un petit peu avant de les rempoter, qu'ils soient un peu plus costauds. Mais en tout cas, j'avais planté deux graines. Les deux graines sont sorties. Donc, de ce côté-là, ça va plutôt bien. Donc, pour résumer un petit peu tous mes semis. Donc, hop, voilà tout ce qu'on a rempoté aujourd'hui. Donc, rempoté ou pas rempoté d'ailleurs, mais les godets de piment d'Espelette, de poivron et donc toutes les tomates qui ont été rempotées, avec aussi les melons. En sachant que sur ce genre de plant, j'ai pas énormément de place puisque j'ai 9 places disponibles sur le balcon sud. Donc, j'ai 3 grands bacs. Dans chaque bac, je peux mettre 3 plants. Donc, ça m'en fait 9. Et j'ai 2 pots individuels dans lesquels je vais pouvoir aussi mettre des choses. Donc ça me fait 11 places. En sachant que les deux Buddy Blotcher, de toute façon, elles iront en or, la question ne se pose pas. Et que les Mascopka, j'espérais les mettre dans des balconnières et que donc ça ne me prendrait pas de place non plus. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner pour le moment. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pieds pour 11 places. Hors Mascotka, donc que je n'ai pas compté. Donc il va falloir faire des choix. On va réfléchir un petit peu à tout ça. Donc voilà pour cette session repiquage de semis. On va se retrouver bientôt pour le début des récoltes. Puisque j'ai effectivement deux, trois petites choses à récolter. Donc, on fera ça dans les jours prochains, demain ou après-demain, je pense. Voilà, donc bonne fin de journée et à bientôt!